لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. نكمل في كتاب العجالة السنية على ألفية السيرة للحافظ العراقي. Nous continuons dans le livre العجالة السنية, qui est un livre bref sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذن يقول العراقي أجود الناس بنانا ويدا. المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسخى الناس كفا كما روى الترمذي. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام était l'homme le plus généreux, sa main était tendu, il est le plus généreux parmi les êtres humains. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط يعني حاجة من متاع الدنيا يباح إعطاؤها فقال لا. Il n'a jamais été questionné, le prophète عليه الصلاة والسلام, pour une quelconque besoin parmi les affaires du bas monde et qui est licite à donner, et il a dit non. بل هو يعطيه ويكون مسرورا, il donne tout en étant content. وإن لم يكن عنده, et s'il n'avait pas, يقول له قولا ميسورا ويعده ويدعو له. Si le prophète عليه الصلاة والسلام n'avait pas la chose que la personne a demandé, alors il lui dit des jolies paroles et il lui fait des invocations et il le promet, par exemple, que cette chose-là, si on l'a, on va te la donner. ما يكون لنا من خير فلن ندخره عنكم. Il a dit une fois à certains de ses compagnons que si on a quelque chose, on ne va pas le réserver, on vous le donne. Parce que voilà, il a donné jusqu'il n'y a plus rien. Et il y a des gens qui demandent encore. Il a dit, voilà, si on avait encore de bien, on ne va pas le stocker, on ne va pas le cacher, on ne va pas le réserver, mais plutôt on vous le donne. وليس يأوي منزلا يعني ما كان هذا الدرهم والدينار وكذا لا يأخذه إلى المنزل. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il donnait ce qu'il avait, mais il ne met pas à côté dans un petit sachet de l'or ici, de dirham là. Il ne les ramenait pas chez lui. مرة بعد العصر قام مسرعا إلى البيت فسألوه الصحابة قال ذكرت شيئا من التبر فما أردت أن يحبسني فأسرع في إنفاقه. Une fois le prophète عليه الصلاة والسلام a fait la prière de l'Asr. Et vous savez que le prophète faisait certains dua, dhikr après la prière. Mais cette fois, vite fait, il a été chez lui à la maison. Et puis après, on a dit, oh messager de Dieu, mais qu'est-ce qu'il t'a fait partir vite? Il a dit, je me suis rappelé, il y avait un peu de poudre d'or qui m'est arrivé. Je n'ai pas voulu qu'il m'abstient dans le sens que je ne veux pas réfléchir à ça, je ne veux pas que je rêve. Alors il a tout donné par la suite et est revenu sallallahu alayhi wa sallam. مرة سأله صدق فأعطاه غنما بين جبلين فقال الرجل أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. Un homme est venu, il a demandé un don de la part du prophète alayhi salat wa salam. Le prophète lui a fait, il lui a indiqué un endroit entre deux montagnes. Il a dit, il y a des brebis à moi, des moutons à moi, tu les prends. Alors l'autre, il a été, il a pris quelques moutons, mais il a été dans son tribu pour leur dire, embrassez l'islam, convertissez-vous à l'islam. Parce que Mohammed est un homme véridique. Textuellement, il a dit, il donne comme celui qui ne craint pas la pauvreté. C'est-à-dire, c'est un homme véridique. Un menteur ne fait pas ça. Un menteur, il a peur de donner tout et par la suite n'aura rien. Alors, mais le prophète, il donne d'une manière qu'il ne craint pas la pauvreté. C'est-à-dire, c'est un homme véridique, c'est un homme croyant. Il sait que Allah Ta'ala lui donne. Suivez-le, convertissez-vous à l'islam. وَكَانَ أَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً. من حيث الكلام كان النبي أصدق الناس كلاما لسانه أصدق الألسنة. Sa langue était la langue la plus véridique, le plus véridique parmi les gens, le plus véridique parmi les gens.
وأوفى الناس ذمة. Le plus honnête, le plus fidèle, le plus honnête parmi les gens. ترك عليا مكانه في مكة حتى يرد أمانات الناس. Il a laissé Ali dans sa maison afin de retourner les dépôts aux gens, de leur retourner leurs biens. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا. هم بالعشرين سموه الأمين. À l'âge de 20 ans, les gens à la Mecque l'ont nommé l'honnête. بدل ما يقولوا محمد صاروا يقولون الأمين. الأمين صار كأنه اسمه. Il est devenu comme son nom, الأمين. Parce qu'ils n'ont jamais vu cet homme en train de mentir. Ils n'ont jamais vu cet homme en train de trahir. Ils n'ont pas vu sur lui des bassesses. Alors, ils l'ont respecté et ils l'ont nommé l'honnête. ما رأوه يكذب ما رأوه يخون ما رأوه يغش فسموه الأمين صار في العرف يقولون الأمين يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أوفى الناس ذمة يعني عهدا وأمانة من حيث الأمانة ومن حيث العهد. S'il conclut un accord, c'est pas le prophète qui trahit son pacte. ألينهم عريكة يعني أحسنهم معاشرة فكان غاية في التواضع. Alors il est le plus honnête, le plus véridique. Sa langue, c'est la langue le plus véridique. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était le meilleur avec les gens par son comportement. Si on les fréquente, on l'aime. On veut rester avec lui. On aime s'asseoir à côté de lui. On aime parler avec lui. Alyanahum arikatan, ahsanuhum ishratan. فكان في غاية التواضع إليه dans le sommet de la modestie. يقبل على جليسه. Il s'assoit quelqu'un, il lui donne son visage, il tourne vers lui, il sourit à lui. ينظر إليه يقبل عليه يبتسم في وجهه. ما كان عبوسا شو اسمه يعني ينفر الناس منه. Il n'était pas quelqu'un qui s'assoit avec les gens mécontents, les yeux brisés. في ناس تقعد معهم تحتار كيف بدك تلاطفه لأنه ناشف ناشف. Il y a des gens, tu t'assois avec lui, tu essaies de dire une blague là, une plaisanterie ici, mais il est très sec, très comme un béton froid. Et tu vois, hein? Glacial, يعني بدنا عبارة واحدة ناشفة هيدي قوية بالعربي. متخدوير سك سيس أنا بادو سنس ان فرنسي. وهكذا كان حاله مع الأمة صلى الله عليه وسلم مع أمة الإجابة. Il était comme ça avec sa communauté, avec ses compagnons souriants, modestes. Il يفرح لفرحهم. يعني ils sont contents, il est content. يحزنوا لحزنهم. S'ils sont touchés par quelque chose, le prophète est touché. من يعاشره يظن أن يعني أنه كأنه أنه أكرم الناس عنده. Lorsque la personne il s'assoit avec lui, le prophète عليه الصلاة والسلام il prend soin de lui. Il pense qu'il est le plus respecté parmi tout le monde, c'est lui. Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام il prend soin de celui qui est à côté de lui. وكان أشد الناس حياء أشد حياء من العذراء في خدرها. Il est très, on dit pas, c'est pas timide, mais il avait de la pudeur. C'est, tu vois, c'est quelqu'un avec le charisme et tu es forcé de le respecter, son charisme. Et avec ça, il est quelqu'un qui a plus de pudeur qu'une femme vierge dans la nuit de noces. Il avait plus de pudeur qu'elle. كان مثلا امرأة تطلب بحاجة تريد أن يذهب معها لحاجة يذهب مع كل الجلال والوقار. Des fois une femme lui demande service, elle lui demande quelque chose, il va avec elle sans la dénigrer, sans la mépriser, pour l'aider ou résoudre son problème avec tout le charisme qui est dans sa personnalité sallallahu alayhi wa sallam.
كان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء كما ورد في عند الترمذي. Il regardait plus la terre plus il regardait la terre plus que qu'il regarde le ciel. يعني son regard était vers le sol vers la terre plus que son regard vers le ciel. يعني في حال السكوت وعدم التحدث نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. Dans le fois où, lorsqu'il n'est pas en train de parler, hein, lorsqu'il n'est pas en train de parler, alors là, il, son regard, il était plus vers la terre que le ciel. طبعاً لأنه أوسع للاعتبار أجمع للفكرة. Pourquoi vers la selle? Parce que ça aide plus à la méditation, à réunir bien le pour se méditer, pour réfléchir, voilà. أما في حال التحدث كان يكثر من أن يرفع طرفه إلى السماء. Mais lorsqu'il parlait aux gens, il regardait au ciel lorsqu'il parlait aux gens. وكان لا يثبط بصره في وجه أحد لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'il parlait aux gens, il ne fixait pas le regard. Des fois, il y a des gens, ils te parlent, ils te regardent dans les yeux comme ça. Alors le prophète, non. Oui, il regarde, mais il ne fixe pas le regard vers la personne. Il y a des gens qui te parlent et ils essayent. Comment tu vas bouger? Comment ils te fixent? Ah, les yeux dans les yeux. Alors le prophète ne faisait pas ça. هذا دليل الحياء ودليل الأدب. C'est un signe de pudeur, c'est un signe d'un bon comportement. Tu sais, ici, les Occidents, si tu parles avec eux et tu baisses le regard, ils le prennent ça comme manque de respect. Yani, c'est pour cela, tu vois, eux, lorsqu'ils parlent à un enfant, ils disent « Regarde-moi dans les yeux !»« Ah, regarde-moi dans les yeux !» Mais nous, on dit « Baisse ton regard !» هو بيقول له « طلع فيه, دير عيونك بعيوني !» Les Occidents, nous on dit, maintenant t'as la vie, on se fait l'arbre. Donc tu as qui m'a dit, t'as la belle arbre. Hakaza allamana Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous on a appris comme ça à éduquer les enfants de ne pas fixer le regard. Parce que je pense que nous on a raison. Parce que le fait de regarder dans les yeux, il y a un certain défi. Il y a un certain défi. Hein? Tu regardes, c'est comme tu. Alors tu baisses ton regard, c'est-à-dire tu es plus grande, je respecte ce que tu me dis, je l'accepte. Tu vois, par modestie, on baisse le regard. Mais eux, ils n'ont pas compris ça. Mais alors, voilà, soit il faut leur expliquer, soit vous dites, dans notre religion, c'est comme ça les choses. Je pense qu'en Afrique, s'il y a un gorilla, tu baisses le regard. Hein? Si tu fixes le regard à un gorilla, il va t'attaquer. Parce que je pense même d'autres animaux, même d'autres, s'ils considèrent ça comme un défi, c'est comme tu le défies. Alors il vient, il court et il t'attaque. Les gorilles, oui. L'ours encore, hein? Le l'ours, alors tu baisses ton regard, sinon... Alors nous, on éduque nos enfants de ne pas de baisser de leur regard. Et comme, voilà, comme on a appris du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous apprenons à nos enfants que... انظر إلى الأرض لما بحكي معك لما أكلمك لما تكلم الكبير لما تكلم من هو أعلى قدرا شأنا إمام كذا تنظر إلى الأرض مش ما بنقول له انظر بعيني هدك انظر إلي لما بالعلم أنا أعلمك تتعلم مني تنظر لأن بالكلام والإشارة مزيد فهم lorsque j'enseigne lorsque j'explique vous me regardez parce que vous comprenez mieux parce que vous voyez les gestes des mains les gestes des yeux de visage ça aide à bien comprendre. وهذا يعني لما ينظر يخفض بصره شأن المتواضعين يعني pour nous baisser le regard avec une personne respectée plus âgée avec ton père avec ta mère ça rentre dans la modestie ça rentre dans le bon comportement et la modestie وأيضا هذا دلالة على لين جانبه ومزيد تواضعه يعني
de la part du prophète, ça montre qu'il était un homme doux, qu'il était un homme modeste, qu'il est un homme qui demande pas trop aux gens. كان أكثر الناس تواضعا تعرف ما كان يضعون للنبي كرسي يأخذونه حيث ذهب les compagnons ils ne mettaient pas pour le prophète عليه الصلاة والسلام une chaise pour s'asseoir que lui il est sur la chaise et eux ils sont par terre le prophète il s'asseyait comme s'il est un de ses compagnons اليوم بعض الناس منهم لا كبار في السن ولا لا شباب بس بدي اروح على مسجد في كرسي مخصوص بيحملوه فخفخوني فخموني عظموني il y a des gens qui vaut pas grand chose qui n'ont pas beaucoup de science l'orgueil les a tués et ça c'est un signe où ils vont on leur amène une chaise il va dans telle mosquée on prend la chaise pour lui mettre cette chaise là confortable où il va on lui ramène une chaise. Et ce n'est pas un homme âgé pour dire oui, parce qu'il a besoin, il a 90 ans, pour qu'il arrive à s'asseoir, à dire non, non, c'est un jeune. Et on lui ramène ça. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas comme ça. Wa huwa sayyidul anbiya, afdalul khalaiq, habibu rabbil alamin. C'est le maître de tous les prophètes, c'est le meilleur de toutes les créatures, et ça c'est comme s'il est l'un d'eux. Amma al-jumu'a, annu yustahab annu lamma bil-khutba taqif liyarak an-nas, falizalika tala'a ala al-minbar. Tandis que le vendredi, parce que pour le discours de vendredi, comme on doit être debout, et pour que tout le monde te voie, pour que tout le monde entende ta voix, alors il a accepté qu'on lui fait une tribune à sa place, il monte sur cela le vendredi. وقد خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبياً ملكاً نبياً ملكاً وبين أن يكون إيش نبياً عبداً متواضعاً فاختار أن يكون نبياً عبداً متواضعاً. Il a eu le choix d'être un prophète roi ou un prophète esclave modeste. Alors il a choisi d'être un prophète esclave. Abduhu al-abdu al-kamil fi al-ubudiyya al-kamil fi al-ta'a lillah al-abd l'esclave de Dieu, c'est-à-dire l'esclave complète dans les attributs de l'humilité vers son créateur, celui qui est parfait dans l'adoration de son créateur. يجيب داعيه يجيب كل من دعاه فقير أم غني عبد أم امرأة il accepte l'invitation de qui il arrive d'un esclave, d'un homme pauvre, d'une femme, d'un homme honoré de parmi ses compagnons il répond favorablement à l'invitation مش في ناس اليوم ما بتسترجي تدعي إذا كنت أنت فقير أو متوسط. Il y a des gens, tu n'oses pas les inviter parce qu'ils sont, ils se voient que lui il est plus élevé que toi mille fois. Alors, il pour lui, pour être invité, il y a certaines catégories qu'il répond à leur invitation. Hein? Le roi de l'Angleterre, lorsque la reine, lorsqu'elle veut faire un mariage à son fils, alors voilà, ici, là, il va à l'invitation. Ou certaines qui sont des milliardaires, ainsi de suite. Mais Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wasalam, même un esclave, s'il l'invite chez lui, il va chez lui. لو كان عبدا يذهب إليه لأنه متواضع ليس فيه كبر il n'était pas orgueilleux, alayhi salatu wasalam. وكان أرحم الناس بكل مؤمن. Il est le plus indulgent, le plus clément envers les croyants. من رحمته ادخر الدعوة المستجابة ليشفع بها لأمته. Par sa clémence envers sa communauté, à quel point il aime sa communauté, il a retardé son invocation exaucée pour qu'elle l'utilise le jour du jugement par l'intercession en faveur de sa communauté. كان
كيف كان يقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. يعني كان رحيما شفوقا. Il avait de l'indulgence, il avait de pitié envers, il ne veut pas rendre les choses difficiles pour sa communauté. À chaque fois qu'il a eu le choix entre deux choses, il choisit le plus facile, sauf s'il est haram, alors il est la personne qui s'éloigne de ça, de cela le plus. كان أرحم الناس بكل مؤمن وبكل طائف فلا يختص برحمته من يعقل. يعني sa clémence n'était pas liée aux humains, même pour les animaux, même pour le chat. حتى الهرة لما تأتي إليه يدني منها الإناء أو يحني أو يرفع لها الإناء لتأكل أو تشرب. Il avait de pitié même envers les animaux. Le chat s'il s'approche de lui, il lui ramène l'assiette ou il lève l'assiette si c'est liquide pour qu'elle puisse manger facilement. وكان عف الناس أي أنزههم عما لا يليق به. وكان من عفته أنه لا يمس يد امرأة ليست بزوجة ولا ملك يمين. Alors il est le plus vertueux parmi les hommes. Il n'a jamais touché une femme qui n'est pas son épouse et qui n'est pas esclave. Et d'ailleurs, il avait des femmes esclaves, mais tous, il les a affranchis, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, kana lahu kathir min al-nisa yadkhulna tahta milkihi thumma yu'tiquhunna. Mais il est tellement vertueux qu'il n'a pas touché une femme qui n'est pas licite pour lui, qui n'est pas son épouse. وقال إني لا أصافح النساء. Il a dit et je ne serre pas la main des femmes. اليوم بعض الناس تستغرب بيدعوا التصوف بيعطي إيده للنساء المرأة بتبوس له إيده. C'est vrai, il y a des gens qui se prétendent être soufi. Tu vois une barbe comme ça, une subha comme ça, turban comme ça, et les femmes ils viennent pour embrasser sa main, alors ils donnent sa main pour que les femmes embrassent sa main. Mais c'est haram, ça c'est haram. Et si je ne me trompe pas, des fois dans les séries turques là, avec Ortogrul, je ne sais pas, des fois ils présentent des choses comme ça. Et encore on entend de certains qui... Mais c'est, ça c'est haram, c'est interdit le fait de serrer la main d'une femme et à plus faire raison que la femme embrasse ta main. La yajouz. وكان صلى الله عليه وسلم بايع النساء لكن من غير أن يمسكهن باليد واستغفر لهن الله. Il a fait le pacte d'allégeance avec les femmes mais sans les toucher, sans serrer la main de ces femmes. بالكلام وبايعكن على لا تشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. كان يبايعن بالكلام ليس بالمصافحة. مبايعة النساء c'était par la parole et c'était pas par le fait de serrer la main. وكان أشد الناس إكراما لأصحابه ومن ذلك أنه كان لا يمد رجليه بين يدي جليسه. Il honorait beaucoup ses compagnons. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu étais un homme rêche, un homme dur, avec un comportement qui est mauvais, les gens allaient s'écarter de toi. Mais le prophète était un homme souriant, un homme modeste, un homme qui est proche, un homme qui a de la clémence, de pitié, d'indulgence. Il honore ceux qui viennent vers lui. Alors les compagnons étaient autour de lui et lui, il les honore. هؤلاء هو بسببه دخلوا في الإسلام اهتدوا على يديه. Ils ont embrassé l'islam grâce à lui. ولو قلت بعضهم دخل بسبب يعني أبو بكر دخل في الإسلام وبسببه أبو بكر دعا عدد. Il y avait par exemple certains qui ont embrassé l'islam comme أبو بكر a invité d'autres à l'islam. Et on peut dire pour ça, mais ça revient tous qu'ils ont embrassé l'islam grâce au prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr,
c'est les gens qui aimaient les plus. ماذا قالوا له هؤلاء الصحابة لو خضت هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. Ils ont dit avant la confrontation de Badr, si tu rentres dans la mer, on rentre avec toi, personne ne reste derrière toi. لو ذهبت بنا إلى أقاصي اليمن لكنا معك. نحن صدق في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر بعينك. Pour dire que si tu veux qu'on confronte un ennemi lointain, on va avec toi. Personne ne recule. هؤلاء الصحابة كان لهم شأن عظيم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس بعض القلوب مقفلة مظلمة لا ترى. Il y a des cœurs fermés, scellés, ne voient pas. كان أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطراف إكراما واحتراما لهم. Alors, j'ai dit, il ne tendait pas les mains, les pieds, en ayant autour de lui des compagnons, il ne tendait pas les pieds par honorification à ses compagnons. Il ne sort pas de lui quelque chose qui dérange, quelque chose qui gêne, quelque chose qui fait du mal. ما كان يصدر منه فعل أو قول يؤذي جلساءه أو يزعجهم أو فيه إهانة لهم أو فيه احتقار لهم أبدا. ومن رآه بديهة هابه. يعني لأول وهلة الذي لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام يرى شيئا عظيما من حيث المهابة والبقار. Alors celui qui voit le prophète la première fois, il va avoir un grand homme plein de charisme. Alors il va être impressionné de cet homme-là. Après, lorsqu'il va s'asseoir avec lui, lorsqu'il va parler, lorsqu'il va sentir très proche, il va sentir qu'il est aimable, qu'il est un homme de... On peut le côtoyer facilement, il est un homme qui n'est pas compliqué, qui n'est pas difficile. Et donc, من رآه بديهة هابه ومن خلطه معرفة أحبه لما يخالطه ويسمع كلامه وكيف يحبه ويتعلق به. أما من حيث الصفات التي عليه لما يراه الإنسان ولا يعرف الخلق الذي هو عليه من التواضع والرقة والعفو والصفح وكذا جهابه. بعد ذلك لما يكلمه ويقربه ويعطف عليه ويشفق عليه وهذا فيحبه حبا عظيما. Au début il aura un grand charisme. Une fois que le prophète le côtoie, lui parle et il voit de lui comment il est souriant, comment il est généreux, comment il est modeste, comment il s'occupe de celui qui est à côté de lui, il ressent qu'elle est la personne le plus respectée, le plus honorée de parmi les autres, alors il va l'aimer énormément. فكانت تحن إليه الأفئدة وتقر به العيون وتأنس به القلوب. Alors après, les cœurs ont de la nostalgie pour le prophète عليه الصلاة والسلام. Les yeux se réjouissent lorsqu'ils le voient. On trouve de plaisir, de l'ambiance de s'asseoir avec lui, de le voir, d'être à côté de lui. فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور إن سكت عليه الوقار وإن نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار. يعني à sa rentrée c'est de la lumière, lorsqu'il sort c'est de la lumière, lorsqu'il parle c'est, lorsqu'il agit c'est dans la lumière, s'il se tait plein de charisme, s'il parle il te prend, il prend ton cœur, il prend ta vue, c'est-à-dire tu es vraiment impressionné de ce que tu entends, de ce que tu vois. كان يمشي مع المسكين والأرملة إذا أتياه في حاجة. Le pauvre, le misérable, il a besoin de lui, il marche avec lui. بعض الناس اليوم ما بيمشي مع هيك فقير. بيقول لك بستحي. Il y a des gens, ils se gênent de marcher avec un pauvre, un misérable. أصحاب رسول الله الذين كانوا ما عندهم بيوت. Certains compagnons qui n'avaient pas des maisons pour se doucher. ما عندهم بيت يغتسل. فقراء. كان النبي
يأتي بهم إلى بيتي ليأكلوا معه. Il les invite chez lui à la maison pour manger avec eux. Aïdol et Ahl al-Suffa, les compagnons qui étaient très pauvres. Et il marchait avec la femme veuve encore pour la rendre service. كان يخصف النعل يصلحه. Il répare son soulier, il le coudre, il travaille pour son soulier s'il a besoin d'être réparé. يخيط ثوبه أيضا يرقعه. Il répare son habit. يأكل مع الخادم. Il mange avec le serviteur, avec l'esclave. يحلب الشات. Il traite la brebis. يخدم نفسه. Il se sert lui-même, c'est-à-dire pour ramener telle chose, mettre ça, enlever ça. Oui, il faisait les choses à lui, par lui-même. C'était pas quelqu'un qui s'assoit et il donne des ordres. Prends ça, ramène autre chose. Et des fois, il rend service à ses épouses, où il participe, où il coupe la viande, où il balaye la maison, c'était quelqu'un qui ne se gêne pas de travailler à la maison et de se servir par lui-même. Il ne voit pas que c'est un rabaissement, que c'est lui, il fait telle chose. Il y a certains hommes, ils disent, moi je ne rentre pas dans la cuisine. Ou il n'a jamais préparé quelque chose à la maison pour sa famille. Voilà, marra haddara ta'am, hatta al-ta'am li huwa sahl. Yani ta'ti bil-zayt wal-asal ou al-jubn wal-shay, hatta haza la yaf'alhu. Huwa faqat bi'arif, annu biji l'akl l'andu, bi'oum al-ta'am min andu, biji... Il y a certaines qui ne font rien à la maison. Voilà, seulement on le rend service par ça. Non, Nabi Kana, Yusharik Ahlahu. Et il participait avec ses épouses. Ma sahih, on fait dit que le qissa, que le Yahoudi kan yirmiz bale, fa Nabi kan kul yom yji, yakhudha, ou minahiha, min amam al bayt, fa yom. اليهودي ما اجى رمى زباله فالنبي راح لعنده على البيت عم يسال ليش اليوم ما جيت. هذه قصه غير صحيحه، لكن كان النبي يقول كنت بين شر جارين. عقبه بن ابي معيط وابي جهل يرمياني امام داري ما يخرج من اقذار الناس، يعني اشد من هداك. alors il a dit j'étais entre deux parmi les plus mauvais voisins. Des voisins qui sont très mauvais, très méchants, et jetaient devant la porte du prophète والسلام, les impuretés, et il la balaye. Mais il n'y a pas un jour ils ne sont pas venus, alors il a été chez eux pour dire vous êtes où, et, ou pour dire que le juif il n'est pas venu pour jeter la poubelle aujourd'hui, alors il a été chez lui, il était malade. Et le prophète s'est inquiété pour lui d'après eux. Ce n'est pas une histoire qui est juste. Non, sahih. Amma anna nabi, yani kana karim al-akhlaq, mathalan, sami'a anna fulan al-yahoudi ibnuhu shab ala firash mout, fa zahaba ya'ouduhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a entendu qu'un jeune homme, le juif, avait un fils jeune qui est sur le lit de l'amour. Mourant, et le prophète a été chez lui pour le rendre visite. Et lorsqu'il est rentré, et ce jeune homme, il est la raison, il est là, il est très malade, on voit, et le prophète l'a appelé à l'islam. Le jeune homme a regardé son père. Qu'est-ce que tu dis, mon père? Le juif, il a dit à son fils, obéis à Abul Qasim, fais ce qu'il t'a dit. Garib. Allo la ibn, ati Abul Qasim. Fa aslam al-shab.
et ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah thumma mat. قال خذوا اخاكم, prenez votre frère, غسلوا كفنوا صلوا عليه. J'ai pas entendu que son père a embrassé l'islam après, mais quand même, et le père avait de pitié pour son fils, parce que le prophète là, si c'était pas juste, il allait pas dire à son fils obéis à Abu al-Qasim. لو أن هذا اليهودي يعتقد أن النبي ليس بصادق ما يقول له أطع أبو القاسم. قال له أطع أبو القاسم, يعني هذا خير لك أطعه, ولو أنا ما أطعته أنت أطعه. Même si moi j'ai pas suivi, mais toi tu le suis. فالقال نبي الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. Le prophète Mohammed a dit louange à Allah qui l'a sauvé grâce à moi. وكان يركب على الحمار ويركب خلفه. Il a monté, il a une fois ou quelques fois sur l'âne, sur le mulet, sur le cheval, sur le chameau, mais sur l'âne, on veut dire par ça parce que c'est un signe de modestie. كان لا يأنف أن يركب أحد خلفه. Et il ne détestait pas d'accepter que quelqu'un derrière lui, un cousin, un proche, un pauvre, qui soit derrière lui. Il y a des gens orgueilleux qui n'acceptent pas quelqu'un qui soit derrière lui. Des fois, il marchait à pieds nus, sans chaussures, sans sandales. يعني كان يمكن ليزور مريض pour visiter un malade, il a été sans, ويكون في حال يعني ليس فيه ضرر, dans le cas où il n'y avait pas, c'est pas très chaud, c'est pas très froid, alors il marche à pieds nus. يجالس الفقراء والمساكين والعبيد ويعودهم ويزورهم ويتفقد أحوالهم. Et ça c'est avec les pauvres, avec les misérables, avec les esclaves, et il les rend visite et il demande d'après eux. ويسأل عنهم يتفقد أحوالهم. لاحظ انه بين اصحابه مش انه il y avait une طبقة الأغنياء هذول لهم. Aujourd'hui, même aujourd'hui, tu trouves chez certains là il y a 3-4 classes chez eux. Même chez certains savants, il y a première catégorie, deuxième, troisième, première, ceux qui sont très riches, ceux qui donnent plus de cadeaux. الرجل الصالح يكرم أمثال هؤلاء لأنهم إيش متواضعون مع الغنى وكرماء فينفعون أهل الفقر والحاجة والإسلام. Alors s'il y a des gens riches en même temps modestes et sont très généreux, mais bien sûr seront là aimés du fait qu'ils sont avec la générosité, ils sont modestes avec la richesse, ils sont modestes et ils utilisent cela pour servir l'islam et les pauvres parmi les musulmans. Mais bien sûr, ces gens-là, il faut les honorer. C'est pas parce qu'ils ont, ils ont un part très important dans la réussite de plusieurs affaires. Aoula ilahum dawr kabir fi nashr al-khayr, fi nashr al-ilm, fi tiba'at al-kutub al-nafi'a, fi i'mar al-masajid, fi i'mar al-madaris. لكن بعض لا يعني بعض ليس هذا إنما يعني يميل إلى الأغنياء لأنه يحب مالهم فيقربهم. Il y a des gens qui penchent vers les riches parce que ils penchent, ils aiment leur argent, alors ils sont proches. أما النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ما كان هكذا عنده إنما كان يكرم أهل الفضل إذا جاءه إنسان عزيز في قومه يكرمه. ليش ترغيبا له في الإسلام وترغيبا لقومه.
Et mais le prophète, alayhi salat wa salam, s'il reçoit une personne dignitaire, le chef d'un tel tribu, une personne très respectée chez lui, le prophète le respecte, et il lui donne son habit pour s'asseoir, il lui approche vers lui, il lui laisse une place pour des fois les motiver à embrasser l'islam, pour les approcher à accepter la vérité, ainsi de suite. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. Il y avait un homme dignitaire qui est venu, et puis voilà, personne n'a laissé de place pour lui. Et le prophète, alayhi salat wa salam, lui a laissé une place, il lui a donné ce qu'il mettait comme rida, et l'a mis, et là, il l'a fait s'asseoir. كيف أكرمه النبي فهداك يعني أعجبه جدا فرحة وكان في هذا خير عظيم إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. تكرم إنسان كريم في قومه تكرمه. فهذا من باب التألف لأهل الشرف ترغيبا لهم ولقومهم بالإسلام. ترغيبا لهم ولقومهم بالإسلام pour les approcher à l'islam, pour les motiver à embrasser l'islam. وكان لا يواجه أحدا بما يكره ويقول ما بال أقوام. Yani, si quelqu'un a fait quelque chose, ne le dis pas, toi tu as fait ça, attention, tu ne le refais pas. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi il y a des gens qui agissent de telle manière? La personne concernée, il sait qu'il est concerné, mais il n'est pas dévoilé devant les gens. الشخص المعني بالأمر يعرف أن النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا. يعرف الشخص المعني أنه هو, ولكن الحضور لا يعرفون. أما الشخص الذي يحتاج إلى هذه الكلمات سمعها يقول فهمت الرسالة وصلت, فإذا يغير, لا يواجه ويقول أنت فعلت كذا وكذا معي, أنت فعلت مع. فأحيانا قد ينفر من دي فوا اسكو تو بارل دو سيت مانيير لا سا في فوير سا في ايلواني. وكان يمزح مع أصحابه من غير إكثار ولا يقول إلا حقا ولا يقول فحشا. دي فوا il plaisante avec ses compagnons, mais c'est rarement. لأن هذا بعض الأحيان سبب لتقريبهم المودة لإدخال السرور, لكن شيئا قليلا ليس كثيرا مزاح. C'était pas tout le temps, c'est pas dans toutes les fois, toutes les séances, tous les jours, non. Des fois, de temps en temps, mais il ne dit que ce qui est juste. Et il ne dit pas des paroles vulgaires, mais c'est des choses justes et qui fait plaisir pour ses compagnons. لا يقول إلا حقا. تعرف كيف كان يأكل؟ يجلس على ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. Lorsqu'il mangeait, il mangeait par la main droite, par les trois doigts. Il s'assoit sur le pied gauche et il tend le pied droit. لأنه بهذه الجلسة تجلس على اليسرى وتقوم اليمنى تنصب اليمنى المعدة تصغر. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Suffit à l'être humain quelques bouchées pour tenir debout, pour qu'il tient à agir, à travailler. وبتعرفوا أيضا من كلامه إن كان ولا بد ثلث للطعام ثلث للشراب. المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. كل هذا إذا رجعت الصحة الأطباء بيقول لك هذا هو رأس التداوي. هذا les grands médecins ils te disent mais c'est ça la bonne santé, c'est par ça qu'on peut l'avoir. ليس معنى ولا يحدث أمراض بس. Ça c'est une chose essentielle pour la bonne santé, que tu manges pas trop, que tu ne manges pas trop. شنو إذا أكل واحد كثير أخذ فيتامينات كثير فإذا حيعيش كثير. ليس هذا. C'est pas si la personne mange trop il va avoir beaucoup de vitamines, beaucoup de, alors il va vivre longtemps. Non. حيأكل كثير حيتعب المعدة كثير حيتغب تعب المعمل تاع الهضم فعبكير بيتعب المعمل. Si tu manges trop alors le système digestif chez toi qui a trop travaillé, alors vite fait, il va avoir des problèmes. Yani, c'est comme une,
comparaison à une voiture, si tu as roulé 200 1000 km ou elle a roulé 20 km. En 20 km, elle toujours elle fonctionne mieux. لذلك في وجبتين وفي كلمه لقيمات وفي صيام c'est pour cela on mange que deux repas ou un repas. Il y a les jeûnes et si tu manges deux repas tu manges peu. سيدنا علي رضي الله عنه شو كان ياكل حط مية الشعير مع الماء وكذا وما شاء الله عليه من كان يقف امامه سيدنا علي رضي الله عنه qu'est-ce qu'il mangeait il mettait l'orge avec le farine d'orge dans l'eau et il le prend très ascète ou quelques dates quelque chose comme ça mais qui résiste devant le duel avec Sayyidina Ali radiyallahu anhu c'est pas une question de manger trop hein. وكان بعض الاحيان يذهب الى بساتين اصحابه اكراما لهم يتالفهم les compagnons de Médine avaient des vergers de des dates des palmiers. Et le prophète partait chez eux pour leur faire plaisir. فكان النبي يذهب بعض الأحيان إليهم يعني لأنه يعجبهم ذلك. النبي جاء إلى بستاننا شيء كبير. فكان النبي يذهب il visitait, il rendait visite dans leur verger parce que par ça il les touche ça les vraiment les, leur faire un grand plaisir et j'ai dit comme si l'un de vous il a un verger de certains arbres fruitiers que ce soit grenadine ou pommier ou autre et que surtout lorsque c'est la saison tu vois, il y a de l'eau, tu arroses, et des fois, tu vas boire du thé tout seul. Ce n'est pas la même chose lorsque tu as deux, trois frères que tu aimes énormément, qui viennent avec toi pour boire, et que tu vas leur mettre un peu de fruits de ton verger. Alors, que dit-on les compagnons, lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vient vers eux pour s'asseoir avec eux. ذهب إلى بستان أبي الهيثم وغيره يعني parmi les gens qui avaient des vergers Abu al-Haytham et le prophète a été chez lui ولما كسرت رباعيته شج وجهه on a cassé une dent l'a blessé on invoque Dieu contre eux اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون on demande au prophète fais un dua contre eux Oh Allah, guide ma communauté parce qu'ils agissent avec ignorance, ils ne savent pas la vérité. Oh Allah, guide ma communauté vers le bien. قبيل الدوس وكذا ادعو عليهم فعلوا أشياء ils ont fait quelque chose grave. Et le prophète قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين فأسلموا بعد ذلك. Au lieu de les invoquer Dieu contre eux, de les maudisse, alors il a dit Oh Allah, guide Daous et qu'ils viennent avec l'islam. Alors ils ont embrassé l'islam. قبيلة من قبائل اليمن فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا Je suis envoyé comme clémence Je ne suis pas envoyé quelqu'un qui maudit tout le temps فبعدين صاروا هؤلاء من خيار المسلمين دوس Ils sont devenus parmi les meilleurs des musulmans فجاء في الحديث الطفيل قال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم قال اللهم أدي دوسا وأتي بهم الطفيل il a dit fais un dua contre Daous parce que vraiment ils ont fait quelque chose ils ont terrible alors Allah Ta'ala il a dit oh Allah guide-les et qu'ils viennent avec l'islam et Allah les a guidés ولم يكن جبانا ما كان جبانا يخاف قتال العدو il n'était pas un homme lâche ou peureux qui a peur de confronter l'ennemi donc بدر 313 ودوكي 1000 حصانين و200 حصان à بدر ils étaient 313 là-bas ils étaient 1000 deux chevaux là-bas il y avait 200 chevaux et quand même le prophète il les a confrontés et un jour avant parce que le prophète est venu à la place avant les autres. Il a dit, là,
telle personne va trouver la mort. Ici, c'est telle personne qui trouve la mort. Il a fait plusieurs, pour plusieurs hommes, qu'il va mourir à cette place. C'est l'autre, il va mourir à telle place. Lorsque c'était la bataille et la victoire, les gens que le prophète a signalé leur mort à telle place étaient comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit, ما عدا من مات من هؤلاء الذين ذكرهم ذلك الموضع حيث أشار النبي ماتوا في تلك المواضع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إن الله وعدني إحدى الطائفتين. الله تعالى ما بخومي لون دو دو جروب parce qu'il y avait la caravane et il y avait Quraysh. La plupart des compagnons ils voulaient la caravane parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Tu vois à peine 40-50 personnes et c'est facile à l'attaquer. Et Quraysh, on parle de 1000 combattants avec 200 cavaliers bien équipés. Et ici, l'Ansar et le Muhajirin, la plupart, deux tiers, c'est l'Ansar et un tiers le Muhajirin. Que peut-être certains, ils sont venus sans schlabs, ils ont leur épée, ils n'ont pas été bien équipés comme les autres. Les autres égorgeaient les chameaux chaque jour, égorgeaient les chameaux, mangeaient la viande. Les compagnons du prophète n'avaient pas ça. Et le prophète n'était pas un homme peureux ou lâche. « Ma kana nabi ou jabana » Lorsqu'il ne riait pas, il souriait, mais il ne riait pas. Yani qalil. Jusqu'à ce qu'on voit ses dents dans la bouche, mais ça c'est rare que vraiment suite à certaines choses un homme bédouin ou un arabe قال النبي كان يقول انه يقول لهم انه في رجل في الجنه يقول يا رب احب ان ازرع. Le prophète a dit à ses compagnons, un homme dans le paradis va dire, oh Dieu, j'aime faire la plantation, la semence. فقل له ولم اعطيك يعني ما تشتهي. قل نعم يا رب, j'ai eu, tu me donnes ce... mais moi j'aime la plantation. والله اعلم, يعلى, il sait. Allah Ta'ala, rien n'échappe à sa science. فيعطيه الحب فما ان يرميه في الارض, il aura la semence. Dès qu'il lance, il touche le sol du paradis et il devient des grands arbres. فقال واحد من الاعراب, un bédouin qui est là, قال لا اظن هذا الا من اخواننا الانصار اهل المدينه لانهم هم يحبون الزرع, هن الاعراب اهل الغنم ونوق. قال انا بظن هذا من اهل المدينه من الانصار. فضحك النبي وضحك اصحابه. او واحد من الاعراب قال له يا رسول الله انه هذا هلا الدجال عنده كثير من السريد, انه هو كذا ما باكل, انه انا بدي يكون عمر, انا لا اكل, بموت من الجوع وكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعض الاحيان نعم, لكن اكثر ضحك, اكثر ضحك التبسم. Souvent c'était souriant, il sourit en face de ses compagnons. هذا اغلب, اما انه يضحك أكثر من هذا قليل, ولكن بيكون في سبب كبير, يعني suite à vraiment quelque chose d'exceptionnel. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثير التفكر, كثير الأحزان. Le prophète souvent il médite, il observe ce qui va venir dans le jour du jugement pour sa communauté, il s'inquiète. فكان يضحك لضحكهم يعجبه ما يعجبهم. Alors il est touché par ce, et ceux qui sont impressionnés d'une chose, ça l'impressionne. S'ils ont souri pour telle chose, il sourit avec ses compagnons. أيوة. ما كان يرى عبوسا, on voit pas en ayant les yeux brisés. إلا لما يرى حراما كان أشد الناس غضبا. Lorsqu'il on dépasse les limites ou on fait quelque chose de haram, alors là le prophète il est la personne qui se fâche le plus. كان لا يقوم لغضبه شيء اذا تجاوزت او اذا تجاوز احد حدود الله فكان لا يقوم لغضبه شيء. والله سبحانه وتعالى اعلم احكم, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.